Bah depuis mercredi, on a pris 3 mètres d'eau. On a 1,60 m d'eau dans les cuisines. On n'a pas eu le temps de réagir parce que le parking, il n'y avait plus d'accès possible. Les cuisines, on va découvrir les dégâts quand la Loire va se retirer. Et on a fait au plus pressé de sauver la marchandise et de pouvoir sauver l'ensemble du mobilier qui se trouve à l'intérieur. On avait à peu près 400-450 couverts de réservés ce week-end, qu'évidemment on ne pourra pas honorer, et on est impatient que maintenant la Loire s'en aille de manière à ce qu'on puisse reprendre notre activité le plus rapidement possible.